Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue donc dans cette cinquième et dernière partie de mes vidéos préparation de Noël. Pour cette vidéo-là, il s'agit de différentes petites choses que j'ai faites à partir de différents matériels, soit simplement avec du papier, avec des bouts de carton, de la feutrine ou des bâtons de glace ou encore des ronds de rideaux en bois. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Donc tout d'abord une fleur de Noël. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en fait elle est toute en 3D. Chaque partie est collée sur de la mousse 3D. Voilà, pour faire une belle et grande fleur de Noël. Avec au milieu une demi-perle dans les verres. Voilà. Ensuite, dans du carton, j'ai découpé une forme de petite botte que je suis venue décorer à l'aide de dentelles, stickers et autres. Voilà. Quelques petits stickers 3D, d'autres tout plats et un peu de dentelle que j'ai découpé dans des napperons en fait. Voilà. Ensuite, un petit sapin fait de bâtons de glace. Avec en lieu et place des boules de Noël, des demi-perles et une petite étoile rouge ici au centre. Voilà, tout simplement, juste avec quelques bâtons de glace. Celui du milieu est entier, les autres je les ai découpés en différentes tailles pour faire un petit sapin. Mais je trouve très joli, j'aime beaucoup. Un autre petit sapin, cette fois-ci, c'est sur un bout de papier cartonné et avec de la feutrine. Voilà, donc la fleur ici derrière, c'est du papier cartonné. Le sapin ici en blanc, c'est de la feutrine. Et de nouveau, à la place des boules de Noël, des demi-perles. Et ici, un petit cadeau stickers 3D. J'adore les couleurs et tout. J'aime beaucoup ce petit embellissement-là. Voilà. Et le dernier, donc là, il a été fait à l'aide d'un rond pour rideau en bois que j'ai customisé avec du ruban doré brillant. Je pense pas que ça va se voir trop à la caméra. De la twine ici encore par dessus, un petit nœud fait d'un ruban et le petit grelot au milieu. Voilà, tout ce que vous avez vu dans mes différentes vidéos préparation de Noël, tout n'a pas été, quelques-uns ont été un peu sortis de mon imagination comme ça, mais d'autres ont trouvé leurs origines dans des vidéos que je regarderai sur YouTube ou sur Pinterest. Et après, je fais des mélanges un petit peu de tout ce que je vois en fonction de ce que je trouve qui est le plus simple et facile à faire, de quel matériel j'ai, etc. Donc désolé si ça ressemble fortement à quelque chose que quelqu'un a déjà fait, mais je n'ai pas copié exactement un truc que j'aurais vu précisément sur Pinterest ou sur YouTube. C'est un peu des mélanges de tout en fonction de ce que j'ai, de mes envies, de mes inspirations ou de ce que je pense qui serait plus à ma portée que d'autres. Voilà, j'espère donc que ces 5 vidéos préparation Noël vous auront plu. Et ben, pour sinon de nouvelles préparations de Noël, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, bye bye!